bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 6 de Roll and Play, une petite émission où des copains qui servent à tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeu de rôle. C'est la campagne des urgences. Wow. Ah. Ça se trouve, c'est un nuage puant, là. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On va lui mettre non, un petit nuage puant autour, ça fait... Ça. Tu vois. Avec le bruit. Ouais. Ah ouais. Ah, ce sera bien. Alors que tu vois, si tu fais comme ça, là... Bah, je disparais. Attends. Rodrigue, il le fait réapparaître. Attends. Il l'aura fait au montage, tu crois? Non, il n'y a pas besoin, ça marche à ça. Je me suis fait... Ça a ouvert ta chemise. Ça a ouvert. Wow. Comme vous le voyez, nous sommes donc de retour en présentiel. Pour le meilleur. Ça y est, nous avons enfin réussi à intégrer le studio. Malheureusement, Méline ne peut pas être avec nous. Rien de grave, encore une fois, Méline n'est pas covidée, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Elle est là. Elle est là, elle est avec nous en distanciel, elle est bien avec nous. Voilà. En bref, un épisode 10. Après, dans l'eau, ça. Un épisode 10 qui fait suite à un épisode rempli de révélations, parce que le 9 était vraiment rempli de révélations et d'émotions. Oui. Ouais, on est dissipé, on rigole, tout ça, mais en fait, là, on va reprendre les choses sérieuses. Vous allez faire moins les marionnes, je le dis tout de suite. Ouais. Parce que ça va être... Ça va pas... Hein? Ah non, ça va pas. Parce que moi, ça va des fois, ça peut. Il y en a qui... Là, ça va pas. Attention, là, ça pas. Alors, attention à vous. Ouais. Parce que sinon, après, comme ça, le D20... Oh putain. Bam dans la tour. Brrr. Et bam, point de destin. Test, vas-y, test. Fumble. Je pense qu'il peut être Yannick. Comptabilisé. Ah, il compte pas. Yannick, non, il est hors jeu. Tu le mets entre parenthèses, petit pointillé. Non. Attends. Point de destin, c'est tout ce que j'ai à dire. 17. Putain, 3. Mais attention, parce que... Eh. Là, on parle de dés, mais... Ah. On passe niveau 6. Et là, cotillon. Et donc, on va avoir un petit tirage de dés de vie. Oh non. Les amis. Maintenant, tout de suite. Là, maintenant. Ah, ça me allez, attends, on le jette. Attends, parce que moi, il faut que je rajoute quoi? La conce. Soit vous décidez de rajouter la moitié de votre dé de vie plus votre modificateur de constitution. Donc, vous prenez la sécurité. C'est pas moins de la moitié? Non, c'est juste la moitié. Non, moi, je suis joué. Pile deux. La moitié. Donc, pour toi, c'est 5. Ouais. Plus ton cinq, mode plus de plus la conce, ça fait 3. Et comme je suis un nain, je suis un Eulco. Plus 4. Ça fait plus 1. Donc, 4 et 5, je peux rajouter 9. Voilà. Ou alors, tu lances ton dé. Ou alors, je prends le risque de jeter mon dé. Voilà. Je jette mon dé. Moi aussi, je suis joueuse. Mais alors, à votre avis, violet pailleté ou bleu pailleté? Franchement, violet. Mon avis. Franchement, ouais. C'est ça que je veux dire. Moi, je sais ce que tu devrais faire, c'est surtout le jeter par terre. Oui, je vais le jeter par terre parce que ça me porte bonheur. On est d'accord que c'est un défi. Elle a fait ça avant de tourner. Elle a fait 20 et 18 en jetant par terre. Arrête! Marc, envoie-moi des good vibes là. On y va alors? Bah ouais, allez-y. Allez, j'y vais, vas-y. Moi, c'est 5 ou 11, on est d'accord. Moi, c'est un D6. 9. C'est 3. 5 de constitution, mon modif. Ah, ça fait 5. T'as pas 5 de plus. Okay. 5 non, mais 3. Ah, 3 plus 2. La moitié de mon modif. Oui, d'accord. 12, c'est 5 ou 1 D10 plus 1. Allez, vas-y, je fais ça pour vous, je lance mon dé. 14, bébé. Haute-Savoie, frère. J'ai fait 2. C'est nul, j'en ai marre. On passe à une autre ambiance. Ça fait plus 4 points de vie. Attends, j'ai regardé. Moi, je vais le faire. Regardez, attendez, c'est mon tour. Par terre. Lob. Pas trop loin. 11. Ça va être long, elle va nous jeter tous ses dés par terre. Je le sens, Fais-moi un test de la journée. Oh là là, c'est nul. Allez, j'y vais. Je suis dégoûtée. Bon, 9, en même temps... 3, bon, hey, pas bien, rien. C'est quoi ça? C'est un 6? Bah ouais. Sur 8? Bah ouais. Allez. Mais attends, beau gosse. Et toi, t'as fait combien? 9 sur 10, plus 4, 13. Encore une fois, je me répète, 74. Mélie? Mais j'ai plus de points de destin. Mélie, j'y vais. Mais j'ai peur. T'as fait 1? Oh, cette t'as tête. T'as fait 1? Oh. Ça, on peut peut-être le compter dans son fumble. Ah oui, bah, attendez. J'ai fait 1 plus ma conce. D'accord? Et ma conce, c'est... Moins 1. 0. Oh non! T'as 0 en constitution? Ah bah oui! Ah ouais, les alphelins, c'est, ah, pas... C'est, bah, c'est pas... C'est surtout une... c'est sorcier, c'est pas la classe genre... Ah, donc on peut le dire enfin, c'est une sorcière. Mais oui, c'est une sorcière. Voilà. Disons les mots. Mais disons d'accord, les mots. Bah très bien, bah écoute, voilà. Donc je suis à 24. Alors, qui a 3 fois mon, mon chiffre de PV? Moi.
Voilà. Non, un peu plus de trois fois. Un peu plus de trois fois. Mais comme tu fais que des bons jets de dés, après, tu vois, les points de vie, alors, c'est pas si... ou alors, voilà, ça veut dire que oui, là, c'est pas le bon jour. Il va falloir que certaines personnes comprennent pourquoi aussi, des fois, en combat, je me mets en sécurité à l'abri et j'arrête de me battre parce qu'en fait, en une seule fois, je peux mourir en un seul coup. Ouais, voilà, c'est vrai. Oh là là. Mais t'inquiète pas, Mélie, je suis à 31, hein, c'est pas non plus... Attends, oui, bah quand même, quand même. Serre-toi, serre-toi, je t'en prie, je les ai mis là pour qu'on se serve. 11 et 4. Oh. Quoi? Attends, mais j'ai dit combien, moi? À 13. Eh oui, j'ai une rage en plus, moi. Hop, non, c'est parfait. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Ouais. Oui, très vous vous rendez compte bien, qu'au niveau 1, Asgir, t'avais déjà plus de points de vie que moi. Oui, mais même en naissant déjà, je pense qu'Asgir était... Oui, de point de déjà c'est une certitude. C'est une certitude absolue. Juste en l'imaginant déjà. Mais bref, allez, pendant que vous récupérez vos jetons, nous, on va passer au résumé de l'épisode précédent. Et on vous dit à tout de suite après le résumé et puis après le générique. À tout de suite. Dans l'épisode précédent, nous sommes retournés au manoir pour voir si Kelios pouvait faire quelque chose pour la blessure d'Elena. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Enfin, Kelios nous a quand même dit que nous étions, Nel, porteurs de l'étincelle. Oui, apparemment, les derniers fragments des rêves des dieux de Pangée. Moi, ouais. L'étincelle. Vas-y. Ce que ça veut dire concrètement, on ne sait pas. Ouais. Toujours est-il qu'on est parti vers le nord avec Quanish pour essayer de retrouver les mines. Et sur la route, on a croisé Binija et le fameux Renard des Neiges. Mmh. Binija a refusé de lever la malédiction d'Elena. Et le renard polaire m'a dit qu'il n'en avait pas fini avec moi, puisqu'apparemment, j'avais tué son fils, le prince des tempêtes. Oui. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin... Ben si. Oui, si. Mais enfin, on va peut-être... Peut-être enfin, pas, je sais pas si... Enfin bref, bon épisode. Nous reprenons cet épisode alors que vous venez de quitter le lieu où se trouvait le camp des anciennes Fregg après une confrontation moralement difficile. Le groupe est scindé, je dirais, un petit peu divisé, moralement aussi, parce que c'est un peu en train de partir en cacahuète. Et vous décidez de repartir vers les mines ou pas? Bah oui, moi je crois que, enfin oui, on a fait ce pseudo détour parce qu'on nous a dit de suivre ces traces là, mais. Mais je sais pas dans quel endroit on est. Moi je suis avec Quanish. Je sais pas qui est passé devant moi, qui est derrière. J'étais Asgir. Ouais, j'étais avec Anaël. On était pas loin l'un de l'autre. Moi, une fois que j'ai dit à Naël que j'ai fait pour la première fois quand même, enfin pas la première fois, un compliment, je réajuste à nouveau la fourrure et je me remets en route et en passant devant. Devant Quanish, juste je le regarde bien dans les yeux et je baisse la tête et j'amorce la route vers là où on devait aller, vers les mines. Ok, bon, vous êtes passé devant. Ouais, je m'arrête pas, je j'avance. Je marche pas vite forcément, mais j'avance. Moi, je suis à l'arrière et je suis tout derrière.
Et je suis un peu toute dépitée comme ça. J'ai beau essayer de réfréner, j'ai quand même une petite larme qui coule sur ma joue et j'essaye d'avancer, mais sans trop d'énergie. Donc, avec mes tout petites jambes dans la neige, je prends de plus en plus de retard et d'écart par rapport au groupe. Mais t'es devant nous, ma biche, pour l'instant. Hein. Non, nous on est encore en contrebas vers le campement et vous, toi t'étais remonté vers Quaniche. D'accord, pardon, ouais. Donc toi tu es d'accord. Voilà. Et moi maintenant je suis parti et elle traîne un peu les pattes. Ok. Et bah vas-y. Et moi, j'étais encore au niveau des tentes quand ils avaient commencé à partir. Je regarde quand même la statuette de l'arbre en bois que j'ai trouvé. Est-ce qu'elle me dit quelque chose? Est-ce que... Non, je l'ai jamais vu. Ok. Bah, je reste encore quelques instants et puis quand je vois que les autres sont en route péniblement, je me mets à leur suite. J'ai attendu Nell. Ouais. Et comme je me suis fait un peu envoyer bouler par Elena, j'ai attendu Nell, regardé ce qu'elle faisait, et puis à partir du moment où elle se met en route, moi je la suis, je me mets à son niveau, je la suis. Très bien. Quaniche, lui, va rester un moment à regarder le renard partir avec les loups. Ça n'a pas l'air curieux, mais intéressé. Je suis une petite moue. Moi, je le vois faire ça quand je passe vers lui. Tout à fait. Vous connaissez ce genre de créature? Vous devriez apprendre à respecter et vénérer ces créatures. Nous le faisons dans les terres de feu. Elles sont puissantes, sages, importantes, des forces de la nature avec lesquelles il vaut mieux s'entendre. Je respecte toutes les créatures vivantes. Mais pas assez pour eux. Pour eux. Ils dépassent de loin votre entendement. Notre entendement. Ils sont bien plus que nous ne serons jamais. D'où viennent-ils? Ils sont l'expression du monde, de la nature même, des forces qui l'habitent. Ils sont la nature, la terre, le ciel, la tempête, la pluie, le tonnerre, les éclairs, l'eau. Ils sont l'expression de ce que les impériaux appelleraient Gaïa. Ses enfants, ses gardiens. Bien plus sages que n'importe quel mortel. Bien plus puissant aussi. Moi, j'ai écouté attentivement ce qu'il se dit et du coup, à la fin de sa phrase, je lui tends sa pipe. Merci, Quani, je crois que je vais m'arrêter là. Il reprend la pipe et va tirer dessus. Et moi, quand il se remet à tirer sur la pipe, je pour lui prendre comme ça. Particulièrement fort, le tabac est particulièrement puissant. Pas le genre de tabac que j'aime. Oui, je te confirme, ça m'a donné un petit peu la nausée. C'est du tabac orc. Ce n'est pas pour la gorge délicate des nains. Et puis il va avancer. C'est vrai, nous préférons le goût subtil de la bière. Oui, encore. Pour ma part, c'est pas ce que je préfère. En avant, mon ami. Allons-y, je te suis. Vous et dirigez coup, vers le... Donc, direction les mines, ou vous voulez faire une halte, ou... On est en milieu de journée. Milieu de journée. À peu près, hein.
Il y a des, y en a qui sont mal en point et tout, je me souviens. Non, non, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Moi, je suis toujours à 12 points de vie, hein, mais on n'a pas eu de repos long pour l'instant. Parce que c'est mais... des points de vie que tu avais perdu, qui datent de... Que j'avais perdu au manoir. Au manoir. Ah, c'est au manoir, d'accord. Après, ça n'empêche pas, de, si on est en milieu de journée aussi, de peut-être se reposer un peu. Faire une casse-croûte. Ouais. Une casse-croûte. Si, moi, je trouve, voyant aussi quand même que t'es un peu essoufflé aussi, que... Peut-être un peu sonné par ce qui s'est passé, un peu nauséeux. J'essaie de voir, trouver un petit coin où je peux, tu vois, dire, bah voilà, en fait, ce serait peut-être intéressant de se reposer un peu. Et je vous en fais part aussi à vous, qui êtes là. Bah, je suis d'accord avec toi, Asgir. J'ai besoin de reprendre un petit peu mes esprits, je me sens un petit peu... Je sais pas ce qui m'a pris de répondre comme ça à Nel ou à Gabriel. Je me sens, je sais pas, un peu bizarre. Repose-toi pour l'instant, c'est ce qui compte. Nous aurons tout le temps de discuter sur la route. Qui sait encore ce qui nous attend. Oui, tu as raison. Donc voilà, j'essaie d'aménager un petit coin aussi, dégager un peu la neige, voilà, trouver un petit coin aussi. Ouais, tu vas trouver un coin à l'abri d'un rocher, tu vois, où la neige est pas, du coup, est pas tombée sous le rocher, ce qui vous permettra d'être un peu au sec, okay. Tranquillement. Vous pouvez prendre effectivement un repos court en vous sustentant. Ok. Moi, je suis super loin d'eux, encore, parce que je traînais vraiment la patte, et je vois qu'ils commencent à... s'installer là pour se reposer. Et toujours un peu bougon comme ça, je suis très fatiguée aussi d'avoir marché dans cette neige et du coup, tout simplement, je m'élève dans les airs et en volant, j'arrive jusqu'à eux. Et je me pose. Oh. Quoi dit, je regarde. Ah. Encore de la sorcellerie. C'est pratique, ça, Naël. Ouais. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais lu dans les livres. C'est-à-dire que la fonction crée l'outil. Enfin, la fonction crée l'organe, on dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as besoin de dire, à partir du moment où un organisme vivant a besoin de dire quelque chose, l'évolution fait que il finit par verbaliser ou sonoriser. Et là, tu vois, elle galère à marcher dans la neige. Et ben, au bout de quelques minutes, elle trouve. Elle vole. Voilà. Très intéressant, Anna. Très, très joli. Bien, 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 bien. On sort, on a à manger. De toute façon, on a des rations. Oui. Donc moi, je sors quand même à manger. Je vous en donne à chacun. Ouais. Je voudrais partager ça avec vous. J'ai envoyé un petit message à Ctiméné. Je lui ai expliqué très succinctement où on en était, les elfes, etc. etc. Et elle me dit que la priorité, c'est Maria. Elle t'a répondu que la priorité, c'était Maria? Oui. Après, elle mesure peut-être pas, j'ai pas pu lui envoyer toutes les informations. Elle mesure peut-être pas l'importance de ces elfes. Parce que si ces elfes, d'une manière ou d'une autre, ont donné des armes à Danyar, qui est venu voir le groupe de Quanish, si on a retrouvé ces armes auprès des orques et de l'armée levée par le nécromancien à Oreskum, ces elfes ont une importance importante, j'aimerais dire. Ouais. Et est-ce qu'ils sont liés à l'Ouroboros blanc? Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ce oui, qui est sûr, notre c'est... notre objectif principal. C'est que oui, Maria est directement rattachée à l'Ordre blanc et que c'était pour ça, à la base, qu'on était venu ici. Et on s'est un petit peu dispersé, oui. Oui, mais quelque chose... Tu, tu as l'information depuis quand? Avant qu'on soit parti, juste avant qu'on soit parti. Peut-être que tu aurais pu nous la donner un tout petit peu avant, qu'on puisse se décider en conséquence.
Est-ce que c'est maintenant que je dis qu'on partait vers le nord pour sauver quelqu'un qui souffre d'une malédiction ou pas ? Non. Non, c'est pas maintenant que je le dis ? Pas besoin. Pas besoin. Oui, c'est vrai, j'aurais pu le dire plus tôt. Excuse-moi, Elena. Bref. Peu importe. Bien. On est à 2 heures et quelques de Lugen. Ou bien on retourne sur Lugen, ou bien on va vers les mines. Moi, je pense malgré tout que les mines, c'est important. Quanish, on est à combien de temps des mines ? Moins d'une heure. Moins d'une heure. On y va, on regarde, on rentre, on s'occupe de Maria demain. Moi, je suis d'accord maintenant qu'on est là, allons voir dans les mines. Et de toute façon, Glaster ou Roboros Blanc, les armes elfiques. Lugen ou Roboros Blanc, les armes elfiques et les elfes. Je pense que quelque part c'est lié. Saktimene ne peut pas forcément s'en rendre compte. Et qui sait, peut-être nous retrouverons aussi ma mère vers les mines, qui sait. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment à bout de surprise. Il m'étonnera toujours. Tu vois ? La fonction crée l'organe. L'organe. Ouais. Ouais. D'habitude, toi, c'est plus, tu vois, le biceps. Ouais. Et là, t'es en train de muscler ton cortex. Ouais. La fonction crée l'organe. Tiens, muscle-moi ça. Et je te mets un coup de poing comme ça dans l'épaule. Ça m'a recommandé. Dans l'épaule ? Ouais, dans l'épaule. Ah, donc non, ça, ouais. Non, non, non. Ça m'a bien anticipé. Ouais, ça. J'ai anticipé. Un tout petit peu. Tu veux courir vite ? Ouais. Et là, en fait, je suis là. Et, ouais. Et je mets un coup de poing comme ça, pile dans le sternum. Fais encore deux, alors. À chaque dé de vie. Oh. Ah, mais parce que t'as oui, pris c'est, des dégâts. C'est la, mais en fait, la moi j'ai pris des dégâts au manoir, mais on n'a pas fait de repos long, donc j'ai pas pu récupérer. Donc là, j'ai lancé 3 dés de vie. 3 dés 6. Ah, mais attends, j'étais pas au courant. Alors, c'est pour ça. Voyant ça, moi quand même, malgré tout. Ah, mais ça sert plus à rien. Si, si, mais il peut le faire ah, quand si. Même. T'inquiète. Bah, d'accord. Je joue un petit peu de. Je voyant ça, moi j'ai pris mon tricorde et j'ai joué tout en papotant. J'ai joué un petit peu pour. Détendre un petit peu l'atmosphère et générer la l'énergie adéquate. Et là, vous entendez effectivement un petit sifflement de nez et quelques petits ronflements. Tu peux jeter un des six supplémentaires. Annelle, elle s'est mise en boule voilà, et elle s'est endormie direct. Bon, j'ai presque tout récupéré du coup. Ah, oui. Et okay. Alors okay. Que vous venez de finir votre, vous venez de finir votre repas, Anaël est en train de dormir, etc. Quanish se lève. Bien. Vous aimez parler. Pas moi. On y va. Allons-y. On y va, Quanish. Ouais. Donc moi, je remballe tout, mon sac. J'ai hâte de voir ce qu'un orque fait dans une mine. Quanish, l'orthographe, c'est quoi exactement ? Oh, je sais pas si il le sait lui-même. Oh. K-U-A-N-Y-S-H. Sachez, maître nain, dit-il en nain. Ah, le coquin. Que je parle cette langue. Et il avance. Pendant qu'ils sont en train de s'envoyer des traits d'esprit, je referme mon paquetage, je le mets sur mon dos, je prends mon focaliseur et je me mets en route derrière Quanish. Et moi j'ai équipé mon bouclier, mon marteau, et je regarde Nell. Il le parle avec un très mauvais accent. Et je me mets en route. Moi, je ronfle toujours par terre. Ah, oui. Anaël, debout. Anaël, debout. Vol. On est parti. On est devant. Et en passant, en voyant qu'elle grogne et qu'elle ronchonne, etc., t'as juste Quanish qui passe, qui la prend par le col, qui la met sur ses pieds. En avant, petite chose. Tu voudrais pas me porter, Quanish ? Tu as des pieds. Je fatigue. Je fatigue dans la neige. Tu as des pieds et tu sais t'en servir. Il te faut marcher pour apprendre à être endurante, petite chose. Sinon, tu ne l'apprendras jamais. Allez,
Bon, et Anaël se met en route tout en grognant. Vous allez partir, donc vous, en fait, vous rebifurquez vers l'ouest. Ouais. Vous allez partir vers le nord-ouest comme ça, et marcher encore une bonne heure. Alors, c'est pas. Plus vous éloignez de la zone où se trouve Abinija et plus la neige se fait peu épaisse et le manteau neigeux se fait de moins en moins uniforme. Et au final, vous allez arriver dans une zone où il n'y a plus vraiment. Il y a quelques congères par-ci par-là, mais c'est bien tout. Et c'est une zone de colline au flanc duquel, de laquelle, vous voyez, vous apercevez une, ce qui ressemble à une immense carrière, certainement une ancienne carrière de pierre ou quelque chose comme ça, qui a grignoté comme ça la colline, mais qui en a grignoté le tiers peut-être. La carrière est ancienne, vraiment. Et il y a un chemin qui s'enfonce et qui commence à serpenter. Là, l'herbe se fait de plus en plus rare. On est sur de la pierre, vraiment, qui a été taillée. Le chemin est taillé à même la roche, etc., pour laisser passer des chariots assez imposants, certainement. Donc, il est assez large. Et faites-moi un jeu de perception, tous, s'il vous plaît. Ah, ouais. Perception. On n'a pas porté chance, lui. 20 naturels. 7. 6. 21. Est-ce que pendant qu'on entre dans cette. Mmh. On entre dans cette. On n'est pas loin de la carrière, on est. Vous êtes en train de serpenter pour aller sur le fond de la carrière. Du coup, est-ce que je peux faire apparaître mon rat et le faire descendre quand même un petit peu pour voir. Ouais, si, bien sûr. Voilà, je fais ça, comme ça, okay. il commence à nous devancer. Très bien. Pour voir s'il y a des petites choses intéressantes. Et 17 plus 6. Mais on a un vin naturel, donc c'est Asgir hein, qui va le voir. Oui. J'aime la roche. Un peu plus bas. En fait, tu t'aperçois, t'es un peu en avant en plus, ouais. Puisque tu t'as pris un peu la tête du. Enfin, ouais. Normal, hein, t'es en éclaireur. Un peu plus bas, tu vois que le chemin mène sur une espèce de grande. Ouais, de grande cour en fait, hein, qui, au fond de laquelle se trouve une entrée de mine, assez large. Maçonné et sur le côté tu aperçois des cages qui pendent des cages à taille humaine qui pendent comme ça tout le long et ça donc des chaînes des ouais tu sais c'est ce qu'a suspendu là ouais d'accord ouais. Dans l'une d'entre elles tu aperçois quelqu'un ok je suis avec notre invité spécial du jour qui va nous rejoindre. Et c'est Trinity. Ding, apparition. On l'a dit, elle est spéciale. On l'a fait au début de l'épisode, tac. Bref, vous avancez. Ouais. Et toi, tu aperçois de loin cette cage. D'accord. Avec cette silhouette. Recroquevillée. Nous, on ne voit pas tout de suite. Il n'y a que lui qui anticipe lui qui ça. Voit. Moi, justement, j'attends que vous me rattrapiez, je vous fais juste signe de... pour qu'on s'arrête. Et je vous indique justement tout ce que je vois pour que vous preniez le temps de bien percevoir les mêmes choses que moi. C'est moi ou il y a quelqu'un enfermé dans une cage ? Non, il y a quelqu'un enfermé dans cette cage. Restons prudents. On est à combien de mètres des cages là ? À quelle distance ? 30 mètres. Et... Moi, j'ai envoyé mon petit... Non, mais c'était ça ce que ça fait. J'ai envoyé mon petit rat de s'approcher de la cage, justement. Qui est suspendu, donc tu vas pas voir grand-chose parce que tu vas le voir de dessous, quoi. Oui. Donc, tu vois que c'est une silhouette humanoïde à l'intérieur, en train de remuer un peu parce que c'est pas très confortable, quand même. Ouais, non, c'est pas ouf. Je vois qu'elle a des armes, quelque chose. Il n'y a pas d'armes. Elle a l'air mal en point. C'est impossible à dire de dessous comme ça. D'accord. Alors, il voit quelque chose. Je suis très haut par rapport à eux ou c'est une... bien suspendu. T'es à 1m50 de mètre, mais là c'est un petit rat qui regarde donc. D'accord. Ah. Oui. Okay. Pardon mon petit rat. J'avais pas su. C'est la roue. Ils sont balèzes. Apparemment, elle a pas d'arme. Et on dirait une humaine. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas énormément de danger. Allons voir. Très bien. Attendez. Attendez, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir, celui-là? Attendez, juste pas, un instant. Ah, peut-être une bonne surprise. Et puis, pendant qu'on attend que Gabriel fasse quelque chose, j'aime juste un coup d'œil à Quaniche, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, petit nain? Pas besoin de dire petit, je sais que je le suis. Et je n'en ai pas honte. Quaniche? Alors pourquoi est-ce que vous relevez ça? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de cage avec des personnes enfermées à l'intérieur? Ça arrive. Généralement, ce sont des personnes qui ont commis de mauvaises actions par rapport à la communauté qui les a enfermées là. C'est L'Empire comme une... le fait régulièrement. C'est comme une sorte de prison? Oui. Et pourquoi est-elle toute seule? Parce qu'il n'y en a pas d'autres qui ont commis de mauvaises actions. D'accord. Par rapport à la communauté qui vit là. Il n'y a personne d'autre en vue. On aperçoit non, personne d'autre. Est-ce que notre ami le barde a quelque chose à faire? Et quand tu te retournes et que vous me regardez, vous ne me voyez plus. Pourquoi? Est-ce qu'on attend qu'il fasse quelque chose? Il fait toujours n'importe quoi. Et là, juste... tu sens que quelqu'un tire sur ta barbe. Zervan n'a qu'un œil. Mais Gabriel, tu es où? Je viens de tirer un tout petit peu les cheveux. J'adore. J'adore ce nouveau sang. Très bien, bravo, bravo. Mais Gabriel, tu peux nous dire à quoi ça va servir là, tout de suite? À quoi ça va servir, Elena? Tu me vois ou pas? Non, je ne te vois pas, Gabriel, je t'entends. Eh oui. Donc, je vais m'approcher de cette personne et je vais aller m'entretenir avec elle. Et ce faisant, je vais regarder s'il y a des forces maléfiques dans le coin. Très bien. Et au moment où tu dis ça, ce faisant, tout à coup, tu sens juste un petit, mais tout petit, tu sais, un petit caillou qui fait dans ta tête. Et tu regardes Quaniche qui vient de t'envoyer un caillou qui te regarde. Tes pas, on voit tes pas. Attention. Il est grand, mais loin d'être bête. Enfin, une parole sage. Oui. La fonction crée l'organe. La fonction crée ce que tu veux. Maintenant, reviens, réapparaît ou part, ou je ne sais pas, mais... En tout cas, merci Anaël, parce que c'est en t'observant que j'ai appris à faire ce truc-là. Et je me dirige vers la cage. Ok. Je t'aurais au moins appris quelque chose d'utile, moi. Oh, tu m'as appris bien plus qu'une chose utile, tu sais. De toute façon, on est à 30 mètres de la cage. Enfin, on est vraiment... On est complètement à la vue, donc moi, je me regarde s'éloigner en mode invisible. Moi, je vois les pas. Je regarde à Dieu, je fais bon, on y va. Oui, on y va, on avance. Non, attendez. Mais on ne va pas savoir ce qu'il se passe. Il s'amuse. Laissez faire votre ami. Il s'amuse. Je suis... Il est très heureux d'utiliser son sortilège. Vous avez vu? J'ai presque entendu sa moustache frétiller. Laissons-le avancer, laissons-le faire mumuse avec la cage et le fait qu'il pense être un grand magicien, laissons-le. Je fais demi-tour, je me rapproche d'eux et tout invisible que je dis, en fait. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous cacher aussi. Plutôt que de rester là, parce que si les elfes arrivent ou qu'ils ressortent, là, vous, ils vous voient. Oui, écoutez ce plan infaillible. Cachons-nous. Bravo, moustache, où que tu sois, bravo. Cachons-nous. Et donc, on se cache où? Derrière ton doigt. Et moi, je retourne vers la cage. Et bah moi, du coup, je m'exécute et je me mets comme ça. Et moi, je commence à aller me cacher. C'est bon, Gabriel, je suis cachée. Elena, on va peut-être éviter de crier comme ça. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Sérieusement. Et toi, t'entends par contre, c'est bon, Gabriel, je suis caché. Et tu vois une bande un peu hétéroclite au loin, une trentaine de mètres, dont une jeune femme qui est comme ça. Et moi, de part et d'autre du truc, tu sais, je te regarde, Nel, en mode genre. Je suis pas prête de sortir de cette cage. Moi, vous me voyez pas, mais je suis là aussi. Okay. Je suis juste à côté de toi. D'accord. Et je te dis ça. Vous êtes qui? Gabriel Magnus. Vous pouvez pas me voir, mais je suis super beau gosse.
Et les gens derrière dont la fille est cachée derrière son doigt, ce sont mes compagnons de route. Ça avait l'air d'avoir de bons compagnons de route. Et tu me vois dans la cage, tu vois que je suis quand même hyper, hyper affaiblie. Ouais. Tu vois que je m'accroche un peu au barreau. Et quand tu arrives à voir mon visage, parce que je suis recouverte d'une espèce d'armure, un peu d'écaille, donc ouais, tu ne voyais pas trop, mais quand je me retourne, tu t'aperçois que j'ai la peau un peu rougeâtre, ouais, et que j'ai deux grosses cornes qui partent comme ça, okay, avec oh, des yeah, yeux jaunes, très vifs, mais tu vois bien affaibli et le visage hyper creusé. Et du coup, tu vois que je suis un peu à tatillon en train de regarder et je te dis « Faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît. » C'est une des options, effectivement, vous faire sortir d'ici. L'autre, c'est de vous y laisser. On va peut-être se faire des petites présentations avant. Ok. Vous êtes ? Je m'appelle Eska. Eska, ça marche ? Et vous, redites-moi votre nom ? Gabriel Magnos. Il ressemble à quoi ? Ah non, mais non, je le vois pas. Ah non, tu le vois pas. Je suis con. Surprise. J'avais oublié. Je suis hyper séduite. Tout de suite, je me dis, il me plaît. J'adore votre voix. Je le trouve beau gosse. J'adore sa voix. J'adore sa voix. J'adore sa voix. Et tu sais, c'est la surprise quand tu le vois apparaître. C'est ça. Oh, il ressemble à ça, le mec. Ah. On peut savoir ce que vous faites dans cette cage ? Pour vous faire la version très courte, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mon personnage, donc, c'est un tiflin, vous l'aurez deviné. Oui. Et pour vous faire la petite description avant de continuer, donc, j'ai ces deux cornes qu'on voit sur le haut de ma tête, une peau un petit peu rougeâtre. Je suis vraiment recouverte d'une espèce d'armure en écaille, tu vois, avec deux épaulettes un peu pointues. Et c'est des écailles noires avec un espèce de reflet un peu verdâtre, un peu dark, quoi. J'ai des longs cheveux. Là, qui paraissent un peu emmêlés, donc on peut voir que ça fait un petit moment quand même que j'ai l'air d'être dans cette cage noire qui descendent, et voilà, un petit peu emmêlés. Voilà pour la description physique. Du coup, tu m'as demandé qu'est-ce que je fais dans cette cage. Je suis une habitante des Landes de Givre. J'avais un clan dont je devais assurer la protection et j'ai failli à ma tâche. Ils ont été massacrés pendant que un jour quand je suis partie en chasse. Et en tant que chasseresse et surtout protectrice de mon clan, j'ai décidé d'essayer de les venger. Et j'ai voulu suivre et traquer ceux qui avaient fait ça. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est pas passé comme prévu. Ceux qui ont fait ça, ça serait pas des elfes blancs avec des longs cheveux noirs ? Exactement. Vous avez dans le mille. Vous savez ce qu'on est ? Les ennemis de mes ennemis, ils sont parfois mes amis ? Ça me va. Ça vous va ? Par contre, ce qu'on peut peut-être faire directement, c'est un espèce de pacte de non-agression. Vous avez vu dans quel état je suis ? Vous croyez vraiment que je peux vous agresser ? Peut-être pas tout de suite, mais plus tard, une fois que vous aurez mangé un petit truc. Très bien. Mais pour faire ce pacte, il faudrait peut-être que je vous voie. Ouais, vous me verrez tout à l'heure. Pour l'instant, ça, c'est ma couverture. Sinon, je voulais vous demander un truc, mais j'ai oublié. J'ai tout mon temps. Les elfes, là. Ils sont sortis, il y en a dedans, ils sont dehors. Comment ça se passe ? Ils sont rentrés il y a pas longtemps. À l'intérieur de la mine. À l'intérieur de la mine. Ils étaient combien ? Difficile à dire. Toi, tu les vois toujours sortir à deux ou trois salamandres. Ils sont généralement, ouais, entre 5 et 7, les petites bandes, mais pas forcément les mêmes, donc okay, dur à dire. Mais bon, ouais, et puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, ouais, quoi, combien il y en a. T'as jamais pu rentrer. Ok. Et votre clan, il s'appelait comment ? Attends, je sais pas bien. Griffe d'ours. Griffe d'ours. D'accord, d'accord, d'accord. Et vous êtes un tiflin, c'est ça ? Vous avez dans le mille aussi ? Vous êtes très perspicace, hein ? Ouais, je sais, j'ai fait des études. Bon, et ben on... Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas, j'ai envie d'y aller. En voyant de loin, voilà, que ça a l'air quand même de plutôt bien se passer, qu'il n'y a pas l'air d'avoir de gestes d'agressivité ou quoi que ce soit,
Anaëlle, elle s'avance comme ça sur le chemin et puis tout d'un coup, impulsivement, elle balance des éclairs sur la cage, sur le niveau pour la sectionner et la faire tomber. Okay. Et que ça pète les verrous, en fait. Fais-moi ton petit jet d'attaque. L'équipe des bras cassés, quoi. Non, mais je suis déjà déglinguée. Grave. Attends. Un jet de quoi, pardon? Bah, d'attaque. Pour tes éclairs. Oui. Elle est haute, la cage? Elle est à combien de mètres? Je dis ça, 1m52 mètres, à peu près. Puis en plus, je suis pas prévenu à l'avance, tu vois. C'est ça. Ça va être surprise. Moi, je suis comme ça, tu vois, en mode sympa, le pack de l'agression. Et j'en ai deux, hein. J'en ai deux des rayons. Ah ouais, je sais. Eh bien, du coup, attaque magique, eh ben, ça fait 7 et 7, 14 pour le premier, et l'autre, ça fait 10. Fais-moi tes dégâts pour les deux. Oh. Évidemment, j'ai évité la tifline, hein. C'était pas elle que je cherchais. Hein. Ah mais non, mais attends, je t'ai dit des bêtises. J'ai tiré avec mes dés, D10. N'importe quoi. Attends, je refais mes attaques. En D20, bah, j'ai fait 16 et 18 plus 7, donc voilà, ouais. Très bien. Je sais pas pourquoi je les ai fait, ça marchait très bien. Et donc mes dégâts... C'est cool que tu sois passé Trinity. À la semaine prochaine. 5 et 11 pour mes dégâts. Là, pendant qu'elle jette ses dégâts, tu peux continuer à regarder dans le vide, parce qu'il y a personne en face de toi. Vous êtes en train de parler. Et tout à coup... vous entendez un bruit, un espèce de bruit, ouais, un peu un bruit d'éclair comme ça qui percute le haut de la cage, qui pète la chaîne et bah tu te retrouves à tomber dans le vide. Ok. C'était joli, Mélie, hein. ça commence bien. Et en fait, la cage tombe au sol, va à moitié s'ouvrir et se déglinguer, te laissant la porte ouverte pour pouvoir sortir. Mais toi, effectivement, t'étais absolument pas prévenu. Ouais. C'est une complète surprise. ça fait 3 jours qu'elle a pas bouffé. Et tu subis quand même 7 points de dégâts. Ok, j'enlève de là. Ouais. Okay. Alors que tu tombes au sol. Okay. Et que tu te retrouves. Ah moi, je vois ça, je me tourne vers Asgard, je fais... Est-ce que entre la personne qui se cache derrière son doigt, l'autre qui devient invisible sans raison et l'autre qui balance ses éclairs, est-ce qu'on serait pas en train de devenir les personnes les plus raisonnables du groupe? Ou les personnes les plus irresponsables du groupe, tu veux dire? Moi, tout de suite, quand je vois ça, j'enlève mon doigt et je me mets à courir vers la cage. Et elle sort de sa cachette. Elle n'a même pas compris ce que tu as dit. Quoi, va poser sa main sur vos deux épaules. La mienne aussi? Non, toi, tu te couds derrière ton doigt. Sur vos deux épaules. Non, je précise, j'ai enlevé mon doigt. Ah, je peux avancer. Ah, c'est bon, alors. T'as bien fait, sinon tu te serais cogné dedans. Exactement. Donc, Pony, je vais poser sa main sur vos deux épaules, ouais. Et juste vous dire, la personne la plus responsable de ce groupe, c'est moi. C'est pas faux. Et il avance. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de le contredire. Ouais. Là, je ne cherche même pas. En même temps, quand tu vois ce qu'ils font... Et je m'avance vers la cage ouverte. Et, okay. Et quand je passe, je regarde Anaëlle. Mais moi, j'ai continué à avancer. Hein. Bah, je te rattrape. D'accord. Pourquoi? Et moi, je te fais juste un grand sourire, comme ça. Et après, je grogne. Les sourires et les grognements ne sont pas les réponses à tout, ma chère Anaëlle. Tu aurais pu la blesser. Ouais, en l'occurrence, je l'ai plutôt libérée. Et les grognements, je suis à bonne école avec toi, Asgir. Tu vois, j'essaie de me comporter comme toi, voir si ça peut m'apporter quelque chose. Non, j'ai dit réfléchir avant d'agir. Attention. Ah. Et je me rapproche de la cage. Moi, du coup, on y est. Ça y est, moi, j'y suis arrivée. Ouais, vous y arrivez assez vite, oui, bien sûr. Juste avant que toi t'arrives, c'est... Ouais, ouais. Gabriel? Je suis là, toujours. Et je m'avance quand même moi vers toi. Moi, je sors de la cage un peu difficilement. Et surtout, je... Oh ah, et le dos craque. Ouais, le dos craque bien. Parce que je suis restée plusieurs jours comme ça. Mm. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Écoutez, j'ai connu mieux. Désolée pour cette action un peu étrange. C'est pas grave. Vous m'avez fait sortir de la cage, c'est déjà pas mal. Vous êtes? Eh ben voilà! Elena et Lemnis. Et vous, vous êtes? Eska.
SK Croc Givre. Enchanté. Alors juste pour la description, mais que tu saches un peu qui là, devant toi, donc t'as Elena qui est une humaine, particulièrement bien habillée, avec des vêtements assez assez riches. Mais tu vois pas, elle est derrière son doigt. Elle a exactement. Elle a et elle porte avec elle un bâton, un espèce de grand bâton noir avec des plumes de corbeau au bout. Ouais. Ça sent quoi la magicienne plutôt. Ouais, magicienne. Humaine magicienne. Okay. À côté, tu as donc le personnage de Juliette Nel qui. Écoute, elle ressemble aussi à une barbare. Hein, on peut pas dire tatouée avec des peaux de bête et une grosse hache à deux mains. Ouais. Voilà. Là, on a un nain qui est en armure avec son marteau, son bouclier, une peau de renard blanc sur les épaules. Et puis, on a la petite Anaël, qui est une toute petite alpheline, puisqu'elle fait 70 cm. Ah oui. Rousse, avec la peau blanche, mais vraiment blanche. Voilà, et habillée un peu... habillée en... Là, elle est en tenue de voyage. Ok. Voilà. Je peux pas te montrer d'image, là, je suis coincée, désolée. Moi, quand je sors, vous voyez que je suis très grande. Du coup, quand je me relève, je suis assez grande et assez élancée. On va dire que je suis bien dans les 1m80, quoi. Et nous, c'est quelque chose de pas commun pour nous Ah non, c'est pas commun, les tiflins. Oui, mais on en a déjà vu. Vous savez que ça existe, c'est pas un truc... D'accord. Vous avez pas forcément vu, mais vous savez que ça existe. Waouh. Waouh. Ah bah là, ouais, c'est clair. Et ils sont accompagnés d'un orque. Qui, voilà, que j'interprète. Ok. Ok, du coup, je me présente à tout le monde. Et donc, vos noms, juste que je... Nel. Comment ? Nel. Nel. Ok. Anaël. 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 Tu vois, c'est super pour t'éterniser. Ça fait Anaël, Nel et Léna. Ouais, ouais. Moi, c'est Nil, N-I-E-L. Non, Gabriel, et toi ? Et Ninou. Nanel. Nanel. Asgir. C'était le groupe en L. C'était l'année des L. Ouais, ouais. Donc, ouais. Nanel, okay. Nanel, et Ananoul, ni Nanel. Ok, comme ça, je vois. C'est un alphelin ? Une alpheline, ouais. Alpheline. On dit une tifline ? Ouais, on dit une tifline. Ok. D'accord. Et du coup, ton clan tout à l'heure, c'est tu as dit clan de l'ours. Ouais, les griffes d'ours. Griffes d'ours. Qui vient de des plaines de givre. Voilà, des landes de givre. Exactement. Qui a envoyé cet éclair ? Qui donc, à ton avis ? Qui donc pourrait envoyer un éclair ? Anaël, j'étais en train de gérer la situation. Oh oui, j'ai vu, c'est pour ça que je me suis permis. J'ai vu que tu maîtrisais bien et que tout se passait bien. Mmh, alors. T'as vu que j'étais invisible et que je maîtrisais la situation. Et comme t'étais loin, t'as pas entendu, mais tu t'es dit, c'est le moment, quoi. Oh bah, vu qu'il y avait pas trop de réactions et pas d'agitation, je me suis dit, ne perdons pas de temps. Voilà. Et je la regarde avec un... Tu vois. Bon, Amien SK, je vais profiter d'être invisible pour rester invisible. Je me présenterai un petit peu plus tard. Voilà, le groupe de bras cassés qui vous sauve la vie. On est d'accord qu'on vous a sauvé, que vous nous enlevez une. Oui, je vous en dois une, on va dire ça comme ça. Mais je vous remercie, déjà. Merci d'être venu et puis je vous demandais qu'est-ce que vous faites ici. C'est quand même un peu commun de... On se balade. Moi, je lui tends une pomme. Je lui tends une pomme. T'as faim? Et du coup, je la prends et je la bouffe super vite. Je la mange et je jette le trognon. Merci. Je te tends de l'eau, mais du coup, que tu vois pas. Donc je la mets dans ta main, je mets la gourde, enfin je mets l'outre dans ta main. Qui réapparaît du coup. Qui d'un seul coup réapparaît du coup. Donc là j'ai la bouteille, l'eau. Ouais. Ok. Je bois. Et je la reprends. Et elle redevient invisible. Non, du coup non. Non, mais non. Quelle gourde. Tiens, je te la laisse, cadeau de bienvenue. Merci. Pour c'est tout Quanish qui expire. Je le comprends. C'est qui voit le truc. Et qui sait, mais qu'est-ce qui que... sait ces gens ? Qui sait ces gens ? Mais ouais. C'est tellement ça. Juste, moi je suis invisible alors je m'en fous.
Vous voulez vraiment qu'on ait cette conversation devant la maison de notre ennemi ou on s'écarte un tout petit peu? Non. Oui, c'est une bonne idée. On peut s'écarter. Non, mais j'attendais que tu nous donnes les détails de ton plan infaillible. Je ne suis qu'un exécutant. Il y a des endroits où on peut se mettre à couvert tout en surveillant l'entrée et tout. Bah, on se décale un petit peu alors. Est-ce que j'ai une idée, parce que moi j'ai plus d'armes, j'ai plus rien, est-ce que j'ai une idée de où est-ce que ça a été emporté? Ils l'ont emporté à l'intérieur. À l'intérieur, ok. Ouais. Okay. Donc on se met à couvert. Est-ce qu'il y a... On va t'expliquer. On est un groupe. On enquête d'une certaine manière sur ce qui se passe dans la région. Et il s'avère qu'on voudrait en savoir un petit peu plus sur ces elfes blancs qui sont à l'intérieur de la mine. Sur leur salamandre géante et surtout sur leurs intentions. Envers qui? Parce que leurs intentions, je les connais très bien. Oui. Et est-ce que tu as vu parmi eux un prêtre, par hasard? On va faire une question après l'autre, Anaël, si ça t'embête pas? Pas de prêtre. Oh. Ok, pas de prêtre, merci. Qu'est-ce que tu sais d'eux exactement? Alors, quand je disais intention, je parle du fait que moi je suis obsédée par eux et je les cherche en fait, enfin elles les cherchent, tout simplement parce qu'ils ont massacré tout mon village. Est-ce que je sais pourquoi ils ont massacré absolument mon village? C'est absolument ça qui est, pas. Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucune raison, okay. En fait. Voilà. Donc je vous explique ça, qu'en fait, ils ont tout simplement massacré tout mon groupe, tout mon village, et sans exception, soit les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde. Et ils ont récupéré des armes, ils ont apporté des choses? Ils ont juste massacré, quoi. Par rapport à ton... Ouais. Sur ta première feuille, non, sur la... Celle-là? Ouais. Ton lien, je crois. J'avais pas vu ça. Oh ouais. Et par être aimé, tu entends comme tu veux. C'est dur de pas regarder. Père, fils, Ok. Ah pardon, excuse-moi, je l'avais comme pas vu veux. Du coup. Ok, donc il y a une nouvelle info. En gros, ils ont massacré tout mon village, mais ils ont enlevé la personne avec qui je partageais ma vie. Sur une salamandre géante. Donc ça coïncide pas mal avec ce que vous me racontez. Mmh. Oui, donc en fait... Bon, très bien. Et c'était il y a combien de temps? C'était il y a quelques mois. Ouais. Il y a quelques mois déjà. Ouais, ouais, ouais. Et cette personne, est-ce qu'elle était particulière? Enfin, elle vous était chère, mais est-ce qu'elle avait des compétences, quelque chose qui se distinguait des autres habitants? Non. Un spécial, c'est un petit fleur aussi. Il y avait peut-être d'autres... Non, pas forcément. Pas forcément, d'accord. Ça peut être un humain. Ok. Mais pourquoi l'enlever, lui? Il y avait d'autres habitants qui avaient été, été récupérés. Ah, d'accord. Il y a d'autres habitants ouais, aussi ouais, ouais. Ok. Ah, je croyais qu'il y avait tout le village qui avait été... Massacré ou enlevé. Ah, pardon. Ok. Autant pour moi. Alors, massacré ou enlevé. Ok. Donc, ils ont enlevé plusieurs personnes, quoi. Vous êtes la seule Tiefling de votre village ou il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Bon. Ok, ça nous renseigne pas sur leurs intentions profondes. On sait qu'ils sont pas pacifiques, ça on le sait, on s'en doutait un petit peu. Voilà, vous avez déjà eu des altercations avec eux, si on peut dire. On va apprendre à se connaître un petit peu avant de tout se révéler. Gardons un petit peu de magie entre nous. Au sens propre. Ouais. Comme au sens figuré, Quanish, à tous les sens du terme. Vous allez voir, j'adore jouer sur les mots. Est-ce qu'à... Tu les as suivis, est-ce qu'ils ont pillé d'autres villages depuis le massacre de ton clan? Alors est-ce que moi je les ai suivis, je les ai traqués, ouais, est-ce que j'ai vu d'autres choses qui se sont passées entre-temps? Ils ont, effectivement, t'as suivi la piste, voilà. et la piste menait à plusieurs villages ou plusieurs clans qui ont été attaqués, plutôt tous sur la frontière, impériale, d'ailleurs. D'accord, ok. Comme le tien, qui était un peu plus au nord, mais okay. Qui est quand même pas très loin de la frontière, donc... Ok. Donc non, c'était pas une exception. Et est-ce que vous savez ce qu'ils font ici? Vous avez pu les observer, entrer, sortir? J'ai juste pu les voir entrer et sortir. Est-ce que vous avez vu s'ils avaient des caisses en bois, des armes? Rien de spécial. Combien? Ils sont combien? Je peux pas vous dire exactement, parce que j'ai aucune idée de combien de personnes il y a à l'intérieur. Je voyais à chaque fois quelques personnes sortir, rentrer... Mais après, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Combien ils sont exactement à l'intérieur? Je peux pas vous dire. Eh bien, allons le voir. Je dégaine une de mes hachettes que je te tends. Merci. Qu'elles ne finissent pas
dans ma nuque. Comptez là-dessus. Sinon, vous aurez affaire au reste du groupe. Vous en faites pas. Je suis redevable. Vous m'avez sorti de cette cage. Vous n'avez rien à craindre de moi. J'ai une petite question. Tu les as vus sortir tous les combien ? Ils sortent quand, à peu près ? Ils font des rondes ? Tous les jours. Tous les jours ? Non, ils font juste... Ils sortent, ils rentrent. Ils sortent et ils rentrent, comme s'ils allaient en mission et qu'ils revenaient de mission, en fait. Enfin, OK. C'est pas, les heures sont pas... Non. OK. Non, il y a pas de... Non, c'est pas la même heure. Ouais. C'est pas régulier. Okay. J'ai une petite proposition. Est-ce que ça vous dirait qu'on attende qu'il y en ait qui sortent et qu'on essaye d'en capturer un pour l'interroger ? Waouh, ça... Pour en savoir ça... plus avant de rentrer dans la gueule du loup, comme on dit. Elle propose de jouer en finesse. Oui. Ah, pas ton registre. Je te vois pas en plus, toi. T'es en train de parler à mes fesses, Asgia. Oui, elle propose de jouer en finesse. Anaël, je trouve que c'est une bonne idée. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée. Même si Gabriel n'écoute pas du tout ce que tu dis, si. C'est une très bonne idée. Moi, j'ai une autre bonne idée, d'accord ? C'est que moi qui suis invisible et Anaël qui peut se rendre invisible, on rentre d'abord, nous, dans la grotte, quoi qu'en dise un monsieur barbu ici, et qu'on aille, en éclaireur, prendre les repères. Mais si jamais l'un d'entre eux peut vous voir, si c'est un magicien et qu'il en fait peut vous voir, eh ben, vous serez complètement démus. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que ce que je... Gabriel, je ne sais pas si... Je ne sais pas si tu es aussi à l'aise que moi avec ce nouveau sort, mais sache que moi, j'ai développé la capacité de pouvoir rendre une autre personne invisible. Eh ben voilà, ben on emmène n'a qu'un œil avec nous. Ou une défi. Et toi, est-ce que tu peux le faire, peut-être, aussi ? Non. Non ? Non. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir trois personnes qui rentreraient ? Oui. Logiquement, tu dois pouvoir le faire, si elle peut le faire. Non, oui, si, je peux, mais je l'ai lancé au niveau 2, donc... Ah, oui, tu l'as déjà lancé. Ah, ok. Bah, je pense qu'il vaut mieux que ce soit Asgir qui aille avec vous pour qu'il puisse vous protéger en cas de besoin, et nous, toutes les trois, on reste dehors. Oui, mais je ne serai pas la personne la plus discrète. Quoique, oui, mais... les nains sont très discrets. Mais le problème, c'est que si Asgir attaque, il ne sera plus invisible. Oui, mais en cas de problème, de toute façon, à mon avis, il faudra attaquer, donc... Il attaquera qu'en cas de problème. Si jamais on se fait repérer. J'ai trop de trucs. Mais il y aura personne, il n'y aura que nous. Il n'y aura que toi et moi, Gabriel, pour l'aider si Asgir se retrouve en difficulté. Parce que s'il se retrouve face à 50 elfes... Vous préférez qu'on rentre à 6 ? 1, 2, 3... Non, au contraire. Qu'on rentre le moins possible à 1. Peut-être. Allez-y, nous, on reste avec Quaniche dehors. Quaniche, vous êtes d'accord avec cette option ? Moi, je dis qu'il faut qu'on demande d'abord à un elfe. J'attends une heure. Dans une heure, je rentre. Allez-y, on a une heure. Nous, on reste dehors. Allez-y, arrêtons de réfléchir. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, moi, je m'avance en direction de la grotte. Et restez à couvert. Ouais. Et restez discret. Ouais. Attends, Gabriel, comment tu veux rentrer par cette porte fermée ? Il y a une porte fermée Absolument ou pas, d'ailleurs ? Non, c'est une entrée. Asgard, c'est tu viens avec... Elle est maçonnée, l'entrée. Non, en fait, Non, vous y allez que tous les deux. On y va que tous les deux. Ah, tu y vas pas ? Non. Bah, c'est vrai qu'il a des avantages sur les... En fait, en termes de discrétion, même si c'est un nain et que la mine, éventuellement, ça pourrait être un avantage... Peut-être que madame serait aussi de la partie. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, parce que moi, je ne captais que... Je peux être discrète du coup, mais en fait, c'est ce que je voulais savoir par rapport à mon pas. Moi, j'ai pas brumeux. Ouais. Donc, c'est juste pour me TP. Ouais. Sur une courte distance, ça te permet de te sortir d'un problème. Et j'ai mes pièges aussi. T'as tes pièges si mais tu passes du temps à les poser. Ouais, donc mes pièges, il faut que je récupère mon matos ou pas ? C'est ça. Ouais. Oui, là, tu sais pas où il est. Ouais. Et par contre, tu peux venir nous prévenir avec pas brumeux. Ouais. Tu vois si non, c'est 9 mètres, pas brumeux. Ah ouais, c'est 9 mètres. C'est 9 mètres. Non, pas brumeux, ça permet vraiment de se sortir d'une situation. Et puis, pour elle, quoi. Pour elle, ça lui permet d'autres trucs aussi. Mais, okay. Voilà. Et s'il se passe quoi que ce soit, je vous envoie un message. Je peux le faire. Oui, bah fais ça, Gabriel. Okay. Ouais, soyez prudent. Mais soyez prudent et faites attention à vous, s'il vous plaît. Et puis surtout, en fait, le truc, c'est que s'ils te rendent invisible et qu'en plus, toi, t'es discrète, t'es vraiment discrète. Anaël. Oui. Tu vois dans le noir ?
Non, mais je peux faire la lumière. Oui, très discret, très discret. Ben voilà, non, Anaël. Bravo. Est-ce qu'on pourrait poser les bonnes questions avant ben de non, Anaël, dans une ne mine où personne ne voit rien, à moins que tu fasses encore un éclair pour faire de la lumière. Si tu ne vois rien, Anaël, tu restes ici, un point, c'est tout. Ah bah alors, je peux pas emmener... Tu peux la rendre invisible, c'est tout, et tu restes ici. Anaël, combien de personnes tu peux rendre visible? Invisible. Si, tu peux la rendre invisible. Si, tu peux le faire. Ah d'accord. Mais c'est parce que c'est marqué une personne de plus. Non, c'est, en fait, inclus, c'est un sort de contact. C'est pas que sur toi, c'est un sort de contact. Donc soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre. Et une personne de plus éventuellement. Mais une fois qu'ils sont invisibles, ils sont invisibles. Ils ont pas besoin de rester la main dans la main. Ça peut être deux personnes. Non, mais c'est pas forcément moi alors. Non, c'est pas forcément toi. Ça peut être deux personnes. Donc là, ça veut dire qu'il peut y avoir deux personnes. Oui. Oui, mais en fait, il y a que eux deux qui voient dans le noir. Bon, ça sert à rien. Voilà. Et moi, j'y vais pas. Rends notre ami SK invisible et on y va tous les deux. Voilà. Ok, alors sachant qu'après ça, moi, je divise mes capacités par deux. S'il faut intervenir derrière, après, j'aurai beaucoup moins de possibilités. Mais très bien, j'avance vers SK, je tends ma main vers le haut, je touche son genou. Où est-ce que je ferme les yeux en me concentrant, comme ça, en fronçant un peu les sourcils, et puis tout d'un coup, fou. Vous la voyez plus. Efficace. J'adore ce truc. Et toi, tu te vois par contre. D'accord. C'est-à-dire toi, tu te. Moi, je me vois toujours et c'est. En fait, quand vous êtes invisible, vous voyez un peu flou. Ouais. Tu vois un peu comme s'il y avait quelque chose de. Et non, toi, tu la vois pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est, vous voyez vous-même un petit peu flou. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes capable quand même de percevoir, savoir, le toucher, si les distances, etc. Tu vois. Par contre, effectivement, personne ne vous voit. Ok. Très bien. Peut-être que vous devriez, je ne sais pas trop où vous êtes, donc je regarde un peu dans le vide. Peut-être que vous devriez vous rester en contact tous les deux, peut-être vous tenir par le bras, la main, pour éviter de vous perdre. Pour éviter de se rentrer dedans, surtout. Oui. Et de faire du bruit. Oui. Ok, très bien. Eh ben. Je le sens pas du tout. Vous voyez pas ma tête, mais je vous assure que. Je te donne la main, moi. Je te donne la main. Allez. Allez-y, ne perdons pas de temps. Et je te dis juste... Une peur paralysée, tu sais. Je te donne la main et je te dis juste... Gabriel, 6 lettres, comme passion. ça fait 7. Il faudrait que je recompte. Ça fait 7. Et du coup, là, quand je touche comme ça, avec sa main, je peux à peu près savoir quelle taille il fait. Il fait 1m75, je crois, un truc comme ça, à peu près. D'accord, ok, ouais, donc il est à peu près à ta taille. Ok. Ah oui, Gabriel, c'est 7 lettres, du coup. Oui, oui. Ah, oui. Non. Si, Gabriel, c'est 7 lettres. Oui. Donc, vas-y, je te donne la main et on part en direction de l'entrée de la mine. OK. On partait en direction de l'entrée de la mine. Donc, c'est une grande entrée maçonnée, assez large, qui est faite certainement pour pouvoir rentrer des chariots. Vous arrivez dans une salle qui se présente devant vous. Il y a deux vieilles caisses pourries. Et effectivement, sur l'entrée, sur les caisses, tu trouves tes sacs et ton équipement qui ont été posés là, jetés là même, je dirais, sans aucun autre égard. Ok, donc je retrouve épée longue, mes flèches, mon arc. Okay. C'est ça. Sauf que si elle les prend, ils ne seront pas invisibles. Ils ne seront pas invisibles. Ils vont flotter dans l'air comme ça. Donc je te dis juste, on les prendra en retour. Ok, parce que j'ai ma machette qui est invisible. Ok, faisons ça. Et en fait, en face, au fond de cette pièce, vous voyez de gros escaliers qui doivent descendre en fait sur les premiers niveaux de la mine, qui se présentent à vous, il n'y a pas un bruit. Ok, on commence à descendre les escaliers. Par contre, si on entend des gens qui montent, ils ne pourront pas nous traverser. Ils ne nous voient pas. Mais s'ils nous rentrent dedans, ils nous sentiront. Donc si jamais on entend des gens qui entrent, on fait demi-tour. Oui. D'accord. Pour pas qu'ils puissent nous toucher et on se met ici, d'accord. Pour qu'ils puissent les passer. Pas de souci. Ok. Ok. Je te laisse passer devant. Ouais. Alors, tu fais attention de pas trébucher sur moi. On se lâche la main parce que de toute façon c'est un peu étrange, mais. D'accord. Ok. Et je m'engage dans les escaliers. Ouais. Je pose ma main sur son dos, comme ça je le sens. En descendant les escaliers. Est-ce qu'il a fait passage, je te jure.
Ça fait super longtemps que j'ai pas eu de contact physique un peu rapproché. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Et crois-moi, on fait pas partie de la même famille. Et vous descendez. Des escaliers assez larges, même très larges, qui sont faits pour pouvoir transporter du matos, etc. Enfin, il devait certainement avoir des systèmes pour pouvoir remonter, notamment le minerai. Donc c'est assez, ouais. Assez large et vous arrivez en bas, dans une pièce maçonnée. Hop. Oh, là là. Oh là là. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Je vais faire un petit peu de place, mais t'inquiète pas. Est-ce qu'on peut considérer que pendant qu'ils sont à l'intérieur, vu qu'on fait un repos court, est-ce que Anaëlle, elle peut se coucher pour se reposer? Si ça dure une heure. Ça dure une heure? Si ça dure une heure. Si ça dure une heure. On verra. Ah oui, d'accord, ok. Hop. On verra, ça marche. Et vous arrivez au pied de cet escalier. Où es-tu, Escar? Tu es là. Au pied de cet escalier. Hop. Escar Gabriel. Cette pièce maçonnerie. Alors, c'est assez étrange parce qu'il y a deux types de maçonnerie. Une maçonnerie assez primitive, mais assez peu raffinée. Et au fond de cette pièce-là, il y a une maçonnerie plus ancienne, beaucoup plus ancienne, beaucoup mieux taillée, avec des fioritures sur les murs. C'est assez bizarre. Et cette grande porte, ces deux portes, qui sont fermées. Non, une porte fermée. Jeter du pain. Qui a du pain? Qui a du pain ici? Il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a rien dans cette pièce. Vide. Elle est vide. Ok. L'association des deux types de maçonnerie, de fabrication, me rappelle ce qu'on a vu à Glaster et à Oriscum. Pas du tout. Pas du tout. Non, là, c'est vraiment. Enfin, tu connais pas l'origine de cette. Ah, si, peut-être toi. Si, ça te rappelle. La maçonnerie, au fond, te rappelle, donc la plus raffinée, oui. Te rappelle la maçonnerie de Carberial. Donc, certainement naine. L'autre, c'est certainement des humains qui ont. Ou d'autres peuples hein, qui ont. Décidé de. Soit solidifier, soit de réparer. Il est possible que ce soit ça, en fait, qu'il y ait des morceaux de mur qui soient effondrés ou des morceaux, tu vois, et qu'ils aient refait, mais qu'ils n'avaient pas les mêmes compétences du tout. Donc, ça me rappelle d'autres trucs. Une porte, est-ce qu'il y a... Ça fait flipper. Moi, j'avance. Tu avances. Je te dis, je vais aller voir. Ok. Jusqu'à la porte? Ouais. Est-ce qu'il y a un petit trou ou pas dans la porte? Non. Ah, dommage. D'entre la rainure, non, elle est bien fermée. Elle est très bien fermée. D'accord. Les dessins qu'il y a dessus, c'est quelque chose de précis, non? C'est juste, non, c'est vraiment des fioritures. Ok. Il n'y a pas de poignée? Si. Si. Une poignée sur chaque bâton. Ok. Bah... Tu sais ce qu'on fait? Tu sais ce qu'on fait? On est invisible. On prend la poignée. On l'actionne très délicatement. Et on entre-ouvre. D'accord? Mm-hmm. On bouge plus et on attend de voir si ça réagit. Ils sont pas forcément juste derrière la porte. Mm-hmm. Ok? Oui, ça se tente. Vas-y, fais-le. J'en étais sûre. Ok, bon, je m'approche de la... Et moi, je recule un tout petit peu. On le lâche. Je m'approche de la porte et je commence à entrouvrir. Donc toi, tu vois juste la porte qui commence à s'entrouvrir. Je passe quand même une tête. Enfin, pas une tête, mais juste un petit coin. Tu essayes de pas te faire remarquer Je suis invisible, mais tu vois, juste quand ça s'entrouvre, je suis quand même assez curieuse. J'ai quand même envie de voir plutôt que d'attendre. Donc je regarde du fait. Tu entrouvres la porte, tu entends un grincement qui va résonner. Oh, l'horreur. Même plus que ça, un gros grincement, parce que les portes sont très, très lourdes. Beaucoup plus que ça, c'est beaucoup trop aigu. Tu entr'ouvres, et derrière, tu aperçois, hop, l'entrée d'une mine. Oh là là. Ah. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Je veux faire du wagon.
Avec un petit, voilà, ses anciennes rails, un petit wagonnet qui est maintenant éventré sur le côté. D'accord. Je vois personne, enfin, en tout cas, personne. Ce que je vois comme ça, non. Ok. Mais ouais, bah ouais. Pff. Écoute, je vois juste des rails et ça a l'air d'être vraiment l'entrée de la mine. Jusque-là, c'est normal. Oui. Bon, bah viens, on y va. Allons-y. Du coup, j'ouvre la porte un peu plus. Non, 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 ça fait trop de bruit. On a la place de passer. On a la place de passer. On passe comme ça. Bon, qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai rien dit pour le dé, mais j'ai vu passer. Vous faites quoi ? On passe. Passer. Oui, je passe devant, hein, vu que tu lui, il a l'air devant. De vouloir être... Bah oui. Hop, vous entrez à l'intérieur de la mine. Mais je suis trop bête. J'avais même pas besoin d'ouvrir la porte. Mais il faut que tu vois de l'autre côté quand même. Ah, il faut que je vois. Ouais, okay. Faut que t'aies un aperçu de là où tu vas. D'accord, ok, bon ça va. Donc genre, par exemple, non, tu peux le faire en regardant par un trou de serrure. Oui, d'accord. S'il y a un trou de serrure. Ok. Vous êtes, pour l'instant, dans l'entrée de cette mine. Alors cette fois, vous êtes vraiment, c'est à même la roche. Vous avez ces vieilles rails tout esquintées, ce vieux wagonnet comme ça qui sont sur le côté. Bon, pas de bruit. Personne. Ok, et ça part comme ça là, ça tourne, ouais, et après on et voit pas ce qu'il y a. Ça tourne, okay. Ça tourne vers votre gauche. Rien d'intéressant à voir, non? Là, pour l'instant, vous êtes vraiment dans une entrée, il y a... Ok. Rien de okay. Bah, je te propose qu'on avance. Hein. Oui, on avance, on est okay. Là pour ça. Hein. Donc on avance. Moi, je lui dis, je vais passer sur... longer le mur à droite. C'est pour éviter d'être au milieu, ouais, peut-être. Je longe le mur à gauche, moi. Si jamais il y a un train qui arrive, on sait jamais. Ouais, c'est ça, un wagonnet. Un wagonnet, on va mal longer. Il y a 18h06. Faites-moi un test de discrétion, les amis. Ouais, ouais, alors, ouais, c'est parti. Alors, je suis perdu, ça y est. C'est quoi, alors c'est un dé? Hein. C'est un dé 20? Ouais, c'est un dé 20. Et ta discrétion, c'est sur ta dextérité. Ok. Oh, allez, ouais, vas-y, c'est vrai, allez. Fais-toi plaisir. 16 plus 8, 24. Et 12 et 3, 15. Oh là là! Ok. C'est magnifique, c'est trop beau. Il y a un truc là, vous pouvez pas voir, enfin vous levez parce qu'il y a des... Il y a des chariots. Non, il y a un élément vert, je ne sais pas si ça. Ah, c'est un petit cristal. D'accord. Voilà. Oh. Oh. Hop. Il y a du beau monde. C'est en train. Vous avez quatre individus. Effectivement, on dirait des elfes. Qui sont en train de parler les uns avec les autres dans une langue que vous ne connaissez pas. Okay. Et hop, c'est là et qui ne vous ont pas vu. Ils sont en train de discuter. Ils revenaient de cet endroit-là. Mm-hmm. Vous avez tout juste le temps de vous cacher derrière la petite paroi rocheuse pour qu'ils ne vous aperçoivent pas. Vous vous rendez compte que, parce que vous voyez dans le noir, effectivement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de lumière et que eux-mêmes ne portent pas de torches. Donc, qui n'en ont pas besoin. Donc ils voient dans le noir aussi. Ok. Et ils prennent cette entrée-là et... Ah ok. En parlant, continuant à parler, vous les entendez qui s'éloignent. Ok. J'ai juste une petite question parce que ça va pouvoir être utile. Moi, donc, du coup, j'ai... Ah bah non, j'ai pas pu prendre mes pièges, du coup. Et non. Non. Bon, bah alors non. Non, j'ai plus de questions. Voilà. C'est réglé. Pendant qu'il parle, ouais. Moi je lance compréhension des langues. Il est pas en concentration. Ouais, mais attention. C'est t'as du verbal dedans si je me trompe pas. Ça faut que tu parles. Dans tes composantes. Si ça. Ça veut dire qu'ils vont t'entendre. Mmh. Oui. Je vais retenir ce que j'allais dire. Qui est vraiment une expression de. Ouais. Je suis d'accord, mais voilà. Ouais. D'insatisfaction profonde. D'injustice. Aussi. Ok. Là, faut qu'on décide si on les suit ou si on... On s'approche tout doucement et on regarde à l'envers. On regarde dans la porte, on est là pour ça. Mmh.
On n'est pas venu pour savoir qu'il y avait des elfes. On sait qu'ils y sont. Mais vraiment doucement. Faites-moi un jet de discrétion. Ouais. Des 6, ça sent super bon. Ça fait 20. Ouya. Ah ouais. Oh, ça fait 20 aussi. Voilà. Oh là là, cette équipe. Vous approchez tout en discrétion jusqu'à cette petite entrée. Pour apercevoir un couloir. Un couloir qui bifurque. Oh. Voilà, c'est. Oui. Ok. C'est un couloir et on sait qu'il y a des ennemis. Moi, j'aurais tendance à dire on les laisse là et on va voir de l'autre côté. Je suis d'accord, parce que s'ils reviennent, ça va être la merde. Ouais, c'est ça. Viens, on s'avance. On s'avance plus loin. Vous avancez ? Ouais. Non, je vais pas vous redemander un petit jet de discrétion. Pour l'instant, j'ai considéré que celui que vous m'avez fait est toujours valide. Fonctionne toujours. Ok. Ouais. Il est gentil. Hop, là, mais le MJ est beaucoup trop gentil. Oui. Je vais hop, prendre la bonne. Oh, mais j'adore. Oh là là. Et hop. Et en fait, effectivement, le chemin continue jusqu'à un éboulis qui vous bloque la vue. C'est complètement fermé ? C'est pas fermé, mais l'éboulis fait que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière de là. D'accord. Et on voit le petit passage sur le côté ? On sait juste qu'il y a un passage. Vous voyez que, effectivement, vous devez pouvoir le passer, si tu veux, ça va pas jusqu'au plafond. Mmh. Mais ça fait quand même un bel... Ouais, un bel amas. Je m'avance, moi. Okay. Tu t'avances ? Quand je m'avance, quand même, quand je passe au niveau du cristal vert, je regarde ce que c'est. C'est pas vraiment un cristal, en fait, c'est une... C'est une petite excroissance. Rien de précieux. Rien de précieux. Vous rentrez dans la pièce ? Ouais. Derrière l'éboulis ? Bah oui. Ouais. Là, il va falloir... Il a fait un regard. Il a fait un regard, ça sent pas bon. J'ai peur que les rochers passent... Un golem de pierre. Genre, tu sais, la discrétion, ouais, là, t'as tous les... Tac, tac, tac. Tac. Vous rentrez ? D'accord. Vous rentrez, ok. Et pendant ce temps... Ouais, je suis désolé, je pensais pas à ça. Bah, c'était sûr. Bah, écoute, vous faites une reconnaissance, ah ouais. Hein, ça va. Non, mais c'était surtout que j'imaginais nous quatre, tu sais, assis dehors, dans l'herbe. Pas avec Wani. Si, effectivement, vous allez rentrer à l'intérieur d'une pièce. Alors, là, c'est une espèce de même chose, une salle naturelle, toujours. Ça devait être le plus profond de cette partie-là de la mine. Enfin, le plus profond, le plus avancé. Plus avancé. Effectivement, l'éboulis a à moitié enseveli les rails. Et là, vous voyez qu'il y a un énorme trou à l'intérieur, devant, qui mène sur... Alors, impossible de dire sur combien de mètres. C'est vraiment un trou, quoi. Noir, on voit rien. Ouais. Ouais, OK. En tout cas, vous voyez qu'il y a de la roche comme ça, et puis ouais, en fait, ouais. assez rapidement, vous apercevez que vous ne voyez même pas le fond. Ok. Et effectivement, il y a deux cadavres de chevaux, encore frais, où est-ce que je l'ai qui dit ont été à moitié dévorés. Ah. Ok. Ouais. Fais-moi un jet de perception, Gabriel. 20. 20 nattes. Et là, tu vois un espèce de petit tas de caisses. Ici, tu vois. Un petit tas de caisses qui... je vais juste vérifier ce qu'elles contiennent. Petit tas de caisses qui... De laquelle dépasse... Oui, c'est ça. De laquelle dépasse des... Une espèce de métal. Là, difficile à dire, là, parce que t'es dans le noir. Mais on dirait que c'est un peu doré. Là, tu m'entends plus rien. Je vais voir. Ouais. Je m'approche des caisses, quoi. Ces petites caisses-là. Je m'approche des caisses. Ouais. Gabriel. Effectivement, tu vois une caisse ouverte, remplie de petites pépites. Alors, évidemment, t'es en vision dans le noir, donc là, tu vois pas les couleurs, tu vois, ouais. Mais c'est très clairement métallique. Ouais, si tu penses que si t'avais de la lumière, là, ce serait certainement doré ou argenté, peut-être.
J'en prends une. Tu en prends une? Oui. Moi, au moment où tu en prends une... C'est dommage, c'était bien joué hein, jusqu'à c'était maintenant. C'était bien, c'était super. Ouais, moi, je voulais aller m'approcher du cheval, voir la morsure, tu vois, essayer peut-être d'identifier un truc. Au moment où tu vas pour en prendre une, en fait, tout à coup, tu poses la main sur ces pépites, tu aperçois que c'est mou, c'est presque spongieux, et tout à coup, les caisses se transforment en une espèce d'énorme tas de moisissures. Même chose, tu vois pas les couleurs, mais c'est assez étrange et qui dont trois espèces de d'excroissance comme ça essayent de te grimper dessus. Tu réussis à en enlever une, t'en as deux autres qui s'accrochent à ton bras et qui t'infligent. T'es résistant aux dégâts nécrotiques, toi, non? Yep. Allez. Yes, heureusement, parce qu'il t'infligeait 16 dégâts nécrotiques, alors qu'il commence à aspirer la vie de ton bras. Litre, ah, ok. Moi, je vois ça, du coup... Ouais, tu vois en fait cette chose comme ça qui se transforme et qui vient essayer de saisir son bras, et tu vois qu'effectivement, t'as deux de ces excroissances qui réussissent à le saisir. Et elles sont rattachées au reste quand même, ou pas? Ouais, ou ouais, c'est un gros tas qui... un espèce de gros tas un peu... Ok, très bien. Bah, je cours un peu vers lui avec ma machette et j'essaye de, tu sais, de séparer quoi. Bah vas-y. Fais-moi deux jets d'attaque du coup, parce que t'as deux attaques. Et attention, vous allez perdre votre invisibilité, hein. J'en fais deux. Ouais. Ah oh, bah génial. Deux et cinq. Ouais, ça fait combien en tout? Avec six. Corps à corps. Plus 7. Et non, parce que c'est pas l'épée longue. C'est... Ah oui, merde. Ouais, mais c'est quand même plus 7. Ah oui, c'est, oui, bien sûr, c'est quand même 7, bien sûr. Plus 7 pour les deux, donc ça fait 9 et 12. Les deux touches. Ok, bon, ça fait. Et tu jettes 1 des 6 plus 3. Donc tu jettes 2 des 6. Non, en fait, tu jettes pas 1 des 6 plus 3, tu jettes 1 des 6 plus ton modificateur de force plus 2. Ah oui, parce que du coup, c'est pas 1 des 6 plus 6. 1 des 6 plus 6. Elle a 3 en maîtrise plus. Pour les deux. C'est pas la maîtrise pour les dégâts, c'est la force. C'est bon, mais je vais laisser toi le je le jette deux fois. Bah ouais, c'est ça. 2d6 plus 6 à chaque fois. Ok. Donc 11 et 10. Et tu éclates cette espèce de corps spongieux, espèce de moisissure qui va se répandre et se liquéfier au sol. Ok. Parce qu'elle a le style de combat duel. Quand elle n'a qu'une seule arme à la main ou une arme et un bouclier, elle a plus 2 à ses dégâts. D'accord. 4 plus 2, ok. Ok. Voilà. Joli. Et du coup, tu réapparais. Et du coup, tu réapparais. Voilà. Attaquer, okay. Ça fait que du coup, normalement, le sort s'arrête. Hein. Tout à fait. Oui. Oui, je le savais. Genre, oui, je m'en rappelais. Oh oui, bah, j'ai tout fait exprès. Oui, hein. Tout ça a été calculé. Et le calme revient. Alors que tu es juste à côté. C'était quoi ça? Eh ben, je pensais que c'était de l'or. Non, mais oui, mais pourquoi? Bah parce que ça m'a intéressé de le prendre. Dans une mission de reconnaissance, là, maintenant? Il n'y a pas de petit confisque. Par contre, on a un petit souci, là. Oui. Du coup, moi, je romps le sort. Ouais. Je réapparais. Ok. Et donc, tu vois que je suis un humain. Enfin, tu vois un humain. Mm-hmm. J'ai les yeux... très bleu, mais tu distingues pas forcément dans le noir. J'ai juste, ouais, très très clair. Je suis un humain, j'ai les yeux très très clairs et une mèche blanche et une très jolie moustache. Censé me séduire. Et des instruments de musique. Bah, je tente un truc, tu vois, je fais. Coucou. Et alors, moi, le truc, c'est que moi, tu sais, j'ai ennemi juré. Ouais. Est-ce que. Enfin, moi, en ennemi juré, j'ai humain, elfe et bête. Ouais. Est-ce que quand je vois un humain, ça me fait... Non, c'est juste que t'es spécialisé dans la traque des humains, donc ça change, des voilà, donc j'ai pas un truc spécifique, non. Dès que je vois un humain, ok. C'est pas genre t'as une haine viscérale des humains. C'est juste que tu connais particulièrement cette... Et d'ailleurs, tu le connais particulièrement et... Non, c'est pas un humain, ça. Clairement pas un humain. Je le regarde, je lève un sourcil, je le regarde de haut en bas. Beau gosse, hein. J'arrive pas à garder mon sérieux. Et je vais... Et ok. Nous, bon. Ça fait combien de temps plus. Comment ça, c'est pas un humain? Genre, je me fais cette réflexion. Ah oui, tu te dis, c'est
Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. On discutera un peu plus tard, toi et moi. Oui. Que fais-tu ? Il va croire que je vais te proposer un truc. Il y a le... Il y a le... le donc, il y a ce gros trou. Ouais. Saute dedans, sinon. Et on voit... Vous voyez pas le fond. En même temps, vous êtes, vous pouvez voir jusqu'à 18 mètres. Hein. Moi, je prends quand même un petit caillou. Mmh. Je trouve un petit caillou. Ouais, bien sûr. Je prends un petit caillou et je le fais tomber dans le... Tu le laisses tomber. Ouais. Punk. Punk. Et tout à coup, t'entends. Qui commence à venir d'en bas du trou et qui commence à remonter. Oh. Viens, on sort. Oh, la bonne idée. J'en peux plus. Ouais, bah oui, 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 sortons. On court. Tu veux faire quoi? Ou on court, on court, ou on court. On court. On court. Vous pourrez, on court. Vous pouvez faire moi un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Ah, ça, par contre, je suis pas. Ça y est, bon, hein. Alors, ouais, je suis la meuf perdue. Ouais, c'est non, c'est là, ça. Ok. Un dé de 20. Ouais. Merde. Ah bah, génial, ça fait 10. Ok. 6. 10 en tout? Ouais. Mmh. Ouais, ouais. 10 et 6. Tu tombes. Voilà. À un moment donné, il faut le dire. Hein, voilà. En fait, vous allez vous mettre à courir, mais le problème, c'est que vous êtes dans une mine. Ouais. Vous y voyez quand même pas très loin. Le sol est rocailleux, il est rempli. Enfin, vous glissez, vous avez du mal, vous cognez le pied sur les rails à un moment, ce qui manque de vous faire trébucher. Au moment où vous. Est-ce que c'est ça la question en fait pour moi? Vraiment, ils sont en train de faire autre chose. ils sont vraiment en train de faire autre chose. Et toi, du coup, comment ça va? Écoute, moi, ça va, mais en fait, moi, ce qui s'est passé... T'as pas entendu un bruit? Non. Du coup, je te disais, en fait, quand tu as la recette, tu fais cuire pendant combien de temps? Ça fait penser à Skyrim, tu sais, quand t'as des PNJ qui captent rien. Qui est là? Qui est là? Ils sont devant toi, comme ça. C'est ça. C'est ça. Qui est là? Il fait, oh, j'ai dû rêver. C'est tellement ça. Bref, vous arrivez au bout. Vous entendez un peu de barouf derrière vous, mais vous arrivez quand même à sortir. À aller au moins jusqu'à la double porte. Je sais pas ce que vous faites après. Ah bah on pousse la porte, moi je pousse la porte. Hein. Vous poussez la porte. Ouais, ouais. Et là vous commencez à entendre des cris. Des cris en elfe. Comme s'ils étaient en train de s'appeler les uns les autres. Là pour le coup, moi je lance compréhension des langues. Et tu entends, en fait, t'entends juste mais qui les a réveillés? Mais qui les a réveillés? Allez, remettez-les-moi dans le trou! C'est pas possible! Voilà. Ok, moi je ferme la porte, je prends mon non, mon matos, il est plus haut. Vous remontez ou vous restez? Moi je... Ouais, on remonte, ouais. Okay. Je pense, non, c'est mieux, hein. Ouais, on remonte. Là, on est plus invisible, hein. Ouais. Donc on remonte. Ok. Je prends mon matos. Ouais. Voilà, je suis contente. Et vous les voyez ressortir. Au bout de combien de temps? Jette-moi un des 10. Allez. S'il te plaît. Au bout de 5 heures. Ça fait des 13. 1. Au bout d'une vingtaine de minutes. Ah, ça va. Oh, mince. Et ouais. Ok, 20 minutes. Bon, et on les voit sortir en courant. Ça nous a pas paru long, donc ça va. 20 minutes, c'est rapide quand même. Ok, on voit. Et vous les voyez sortir en courant. Est-ce que ça va? Bah tout de suite aux aguets quoi. Moi je me mets debout sur mes pieds, je les vois arriver, je me dis qu'est-ce qui se passe? Pareil, j'ai sorti ma hache pour me tenir prête au cas où. Qu'est-ce pareil, j'ai mon bouclier et mon marteau. Vous avez dû attaquer? Vous êtes plus invisible, vous avez dû attaquer? Vous avez rencontré des elfes? C'était comment l'intérieur? Le problème en soi n'a pas été les elfes, hein, puisque visiblement ils nous ont pas captés, ils sont partis. On a voulu explorer le reste de la mine. Et Gabriel a eu
la très bonne idée, en voyant un trou béant, de jeter un caillou à l'intérieur pour voir la profondeur. Et on a entendu une espèce de bête, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est on les a salamandres. Partir. C'est les salamandres. C'est les salamandres. J'y ai pas pensé, c'est les salamandres. Ça mange sûrement du cheval, les salamandres géantes. Parce qu'on a trouvé des chevaux... Des chevaux à moitié morts. Voilà. Moitié bouffés. Bien sûr, des bêtes. Et ça fait comment salamandres. Bon, bah on sait où sont les salamandres. On a vu des elfes. Ouais. Et vous les avez suivis? Non. C'était trop compliqué, le terrain était trop compliqué. En fait, c'était dans un couloir hyper étriqué. On s'est dit que s'ils revenaient, ça va être compliqué pour nous de... Donc en gros, vous avez rien trouvé, quoi. Si, des salamandres. Des chevaux morts. Et j'ai retrouvé mon équipement. Elle a trouvé son c'est équipement. Une bonne nouvelle. Et on sait où est-ce qu'il faut pas aller. Mais par contre, vous n'avez pas pris le chemin où vous étiez censé aller. Non, on s'est dit que ça serait bien qu'on fasse ça tous ensemble. Je tends juste ma main pour que... Je tends juste ma main vers toi, Eska, pour... Merci. Et tu la vois, tu vois que la lame est recouverte d'une espèce de moisissure violacée. Avant de le ranger. Demande à Gabriel. Je ne veux pas savoir, pas un mot de plus. Rien, rien, rien. Et je frotte ça dans l'herbe, j'essaie de, tu vois, de nettoyer un peu comme je peux, et... Bien. Vous êtes ressorti en courant, et pas invisible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez poursuivi par quelque chose? Les salamandres. Bon. D'accord. Bon, vous n'avez pas plus d'informations que ça. En tout cas, on sait où on ne doit pas aller déjà. C'est déjà un bon point. Un chemin, plusieurs chemins. À partir de maintenant, un seul chemin, on le sait. Et vous pourriez vous retrouver si on descendait? Bien sûr. Oui. Non, non, c'était plutôt simple, mais oui. Bon, après, du coup... je pense qu'il faudrait... Je ne sais pas s'il ne faut pas attendre... Il y a deux façons de voir cette chose-là. Ou bien, maintenant, ils sont suspicieux parce que les salamandres se sont réveillés, d'accord? Ou alors, justement, ils s'occupent des salamandres, ils sont occupés. Mais quand les salamandres se sont réveillés, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi ils vous ont vu, ils vous ont poursuivi? Non, nous, on a eu peur. Alors, pourquoi ils seraient alarmés parce que les salamandres sont réveillés? Ben parce que j'ai entendu qui les a réveillés, refaites-les rentrer dans le trou. Oui, mais comme un chien qui dort et qui aboie et à qui on demande de retourner dans sa niche. Voilà. Bon. Et est-ce que vous avez vu combien ils étaient? Quatre. Les elfes. Quatre? Ce qu'on a vu, quatre. Ils voient dans le noir, sans lumière. Ce qui n'est pas votre cas. Non. Et est-ce qu'on n'attendrait pas qu'il y en ait qui sortent pour essayer d'en capturer un et l'interroger? T'as la tête de tout le monde, c'est genre... Parce que moi j'ai un... Alors je peux revenir à ma question du coup de tout à l'heure. Mes pièges, donc moi je peux piéger une zone de 3 mètres, seulement 5 minutes, ok. Ça fait quoi ce piège? Est-ce que je peux piéger plusieurs personnes à la fois? Est-ce que c'est une personne? Ah oui, parce que du coup, t'as pas le menu défilant. Piège. Évidemment. Piège. Parce que j'ai de l'impression. Je vais te dire ça. Oui, parce que vous pouvez choisir, j'ai pas la suite. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est un peu le problème. Voilà. Vous pouvez choisir. Vous avez le droit de choisir. Tu as le droit de choisir, et c'est bien tout. Alors, archétype. Moi, pendant ce temps, je dis à Anaël, ton idée est bonne, mais personne ne nous dit que l'elfe parlera. À mon avis, ils ont été, dressés pour garder le silence, quelle que soit la situation. Oui, alors, sans vouloir offenser Eska et Gabriel, j'ai quand même un peu l'impression qu'on en est un tout petit peu au même point que tout à l'heure. Non, Anaël, on n'en est pas au même point. On sait qu'il y a une direction dans laquelle il ne faut pas aller et qui ne mène nulle part, comme un cul-de-sac. Donc déjà, c'est une bonne chose. Oui, très bien. Mais en même temps, on sait quand même toujours pas ce qui se passe à l'endroit où il faut aller, dans la direction où il faut aller, et si on peut y rentrer tous ensemble ou pas. Combien ils sont, on n'en sait rien. Ce qu'ils font, on n'en sait rien. Bon, moi, je suis pour y rentrer tous ensemble ou alors rentrer et s'occuper de Maria, parce que pour l'instant, on perd du temps. Maria? La mère d'Asgir. Quanish, qu'est-ce que tu en penses? Qui sont nos ennemis? Qui sont nos ennemis? Est-ce que vous êtes sûr que vous arriverez à les faire parler? Non, Quanish, on Si on leur met Gabriel... qui se met à leur parler, à leur chanter, au bout d'un moment, ils vont peut-être craquer, hein. La torture ne marche jamais. Les gens vous diront exactement ce que vous voulez entendre pour qu'on arrête.
pour tes pièges, c'est soit un piège qui immobilise, soit un piège qui fait des dégâts. Ok. Et on n'a pas la possibilité, Gabriel, d'arriver à faire dire la vérité à quelqu'un, non? Tu sais pas faire ça? Non, mais je sais par contre écouter ce qu'il pense. Moi, je peux lire dans les âmes aussi. Ah oui. Si, moi, j'ai un sort de charme, j'ai suggestion, mais... Je peux lire là. Ah bah, ça peut nous aider. Et après, faut que ça... S'ils sont immunisés contre, ça marche pas. Les salamandres, elles en font partie? Non. D'accord. Enfin, elles en feraient partie logiquement, mais elles ont été dressées, donc c'est encore ouais, donc elles ont été un peu... Ok, très bien. Nous ne savons pas si ces elfes ont été... je ne sais pas, peut-être contaminés par quelconque magie, ou nous ne savons pas qui ils sont. Gwenish, tu penses que tu peux en attraper un? On peut toujours en attraper un. Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu proposes, Gwenish? Toi, tu es venu pour quoi? C'est quoi ton objectif personnel? Moi, je suis venu pour comprendre ce qu'ils veulent. Et pourquoi, à cause d'eux, mon compagnon est mort. Si je dois rentrer là-dedans et aller m'en charger un par un, je le ferai. Très bien, alors pour une fois, je vote comme l'orque. Allons explorer le chemin que vous n'avez pas exploré. Pour une fois, je suis d'accord avec Asgir. Wow, on y va. Très bon. Tu vois, finalement, les choses peuvent changer. Hein. Oui, j'ai besoin d'action, moi aussi. Bon, du coup, moi j'y vais. Hein. Par contre, très bien. Nous sommes dans les mines. Vous ne verrez rien. Alors, des torches, des lumières, très bien. Mais la discrétion, avant tout. Mais peut-être que Gabriel et Eska peuvent passer devant et nous guider. Moi, je suis exploratrice... Dans le noir, vous n'y arriverez pas. Non. Moi, je suis explorateur né, donc ça va me faire quelque chose de particulier, là. Bah, c'est considéré comme ton terrain de prédilection, donc, okay. Ce qui veut dire dans les souterrains. Ouais. Ce qui veut dire, par exemple, que ton pas brumeux a une distance doublée. D'accord, 18 mètres. Ouais. Je l'ai dit, il est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Okay. Pour un 10, pour indication, 9 mètres, si toi tu te trouves là, ça fait. Tac, ça fait jusque-là. Ok. Donc 18 mètres, ça fait jusque-là à peu près. Ok. Tu vois, ce qui fait quand même une belle distance. Ouais, donc ça me permet de. Okay. Et ce fameux pas brumeux, est-ce que je peux un peu l'enchaîner ou je l'ai qu'une fois? Enfin, tu l'as qu'une fois entre deux repos courts. Ok. Tu l'as qu'une fois entre deux repos courts. Ok. C'est vraiment. Ouais. Ok. Bien. Donc je vais passer devant. Ma chère Annelle, je crois qu'il faut passer à l'action, je suis désolé. Bah, comme vous voulez. Hein. Prépare tes éclairs. Et puis, je la prends sur... Moi, j'ai plus grand-chose en... Reposons-nous si tu as besoin de te reposer, créature. Tu préfères rester là et nous attendre? Non, se reposer et partir ensemble. Non, je voudrais juste être en pleine possession de mes moyens, si on peut rester encore... quelques minutes pour faire en sorte que j'arrive à récupérer mes capacités. Très bien, dis-le, pas de problème. Reposons-nous. Récupère tes capacités et nous partons après. D'accord? Moins d'une heure. Dans moins d'une heure, nous partons. Ok. On se met à couvert, donc derrière les rochers. Pendant une heure, moi, je surveille l'entrée. Je regarde s'il n'y a pas des allées et venues. Okay. Moi, je suis assis, pareil, adossé contre un rocher avec ma pierre. Comme ça, j'essaye de déguiser un peu, mais de nettoyer la hachette que tu m'as rendue, de réaiguiser un petit peu. Et puis pareil, j'essaye d'invoquer... la chasseresse et puis Mère Printemps aussi pour m'accompagner dans l'épreuve de la mine. Très bien. T'as récupéré combien de points de vie, Gabriel, avec ton repos court? Pour l'instant, 4. Quelqu'un lance des dés aussi ou pas? C'est qui des dés? Non, t'es le seul à avoir eu des dégâts. Non, les dés. Non, moi aussi, quand je suis tombée. Ah, toi aussi. Moi, tu peux lancer des dés de vie si tu veux. C'est quoi? Alors, les dés de vie... Tu en as 6. Elle est où ta fiche? Elle est là, regarde. Tu en as 6. Un des 10, ok. Et tu peux en lancer autant que tu veux. Tu peux les lancer les uns après les autres en fonction de ce que tu récupères. Non, c'est lequel, le dé? Et tu ajoutes ton modificateur de constitution à chacun de tes dés. Pardon? Tu ajoutes ton modificateur de constitution à chacun de tes dés. Non, il est là. Ton modificateur de cons, il est là. Plus 2. Plus 2. Ok. Un des 10 plus 2 et tu récupères ça à chaque fois. Ok, donc 6, donc j'ai déjà récupéré 8. Et attends, parce que comme moi je suis... Non, j'avais 4, donc ça faisait 6. 4, 6, pardon. Ouais, ça faisait 6, donc là je récupère ça, et ensuite je relance. Attends, non, tu peux utiliser, comme moi je suis barde, ouais. Je suis musicien, poète, et là, tout doucement, je dis des mots dans une langue un peu spéciale,
tout doucement qui nous permettent de récupérer plus facilement et tu peux lancer un D6 gratos. D'accord. Donc en fait, sinon, j'avais tu peux récupérer. Bah, économiste aussi. Et dé de vie, c'est mieux. Vaut mieux que je les économise. J'en ai combien? T'en as 6. Ok, mais non, mais ce que je fais, c'est que je fais un... je peux faire apparaître jusqu'à 10 B pour récupérer un point de vie. Bah ouais. Donc je peux en faire apparaître sinon, une. Sinon là, il te reste un point. Au pire, je le laisse. Hein. Non, mais... De toute façon, avec son D6, c'est automatique. Le D6, il est automatique. Ah, toi, et donc, en fait, okay. Tu le récupères automatiquement. Il l'a fait pour lui, donc c'est pour tout le monde. D'accord. Tu n'as même pas besoin de le lancer, parce que tu n'as plus qu'un point. Donc, oui. Donc okay. Tu l'as récupéré sans gaspiller de recette. Et du coup, toi aussi. Ton point restant, tu le récupères. Et Anaëlle, toi, du coup, non, t'avais pas... Ah, c'était pour les sorts, toi, surtout. Moi, c'est mes sorts, oui. D'accord. Très bien. Au bout d'une heure, du coup... Et au bout d'une heure, vous... Personne n'est sorti de la mine, pour l'instant. Et mais voilà, c'est ça que je voulais dire en arrière. Et le soleil commence à décliner. Il n'est pas en train de se coucher, hein, mais il commence à vraiment décliner. Vous voyez que vous êtes en milieu fin d'après-midi. Et que d'ici quelques heures, le soleil sera complètement couché. Bien. Juste, si ça dégénère... qu'on doit sortir de la grotte, sortir de la mine et rentrer à l'auberge, ils ont un avantage sur nous. Quand on va sortir, il fera sûrement nuit. Eux voient la nuit, pas nous. Enfin, pas vous. Pas elle. C'est ça. Pas vous. Vous voyez la nuit, Quenish? Je suis un orque. C'est un orque, Gabriel. Les orques voient la nuit. Demande à un nain s'il aime la bière. Bon, allez, arrêtons de tergiverser, allons-y. Bien. Mon cher Quenish. De toute façon, nous ne rentrerons pas à l'auberge. En pleine nuit, les portes seront fermées. Donc, il faudra se trouver une cachette. Si jamais cela dégénérait. Très bien. Vous, moi, en première ligne. Ça va. Très bien. Vous, derrière. Vous, encore derrière, avec la lumière, discrètement. Le truc, c'est si moi je mets de la lumière, ça, quand même, c'est sur un rayon de 6 mètres, hein, c'est une non, lumière. Non, pas toi. Ah. La petite créature. Je vais faire les lumières dans son truc. Très bien, discrètement, au sol. Très bien, oui. Allons-y. Allez. Et je ferai baisser leur intensité. Très bien. Et vous avancez vers l'entrée de la mine. Et la suite. Au prochain épisode. Allez. Trop frustrant là. Bien ouais, les gars. Voilà. Merci bien ouais. Ouais, du coup, vous êtes restés un petit peu sur le côté. Quand il y a de la reconnaissance, de toute façon, c'est le jeu. Hein. Bah ouais, c'était un peu long pour nous. Cool. Ouais. Ouais, franchement, c'était hyper long. C'était horrible. C'était horrible. Non, c'est bien. On s'est un peu ennuyé, quoi. Mais on était là dehors, comme ça. Non, c'est bien ouais, bravo. C'est pas grave. Ah, regarde, je vais culpabiliser là. C'est pas grave. Non, je crois qu'il s'en fiche. Ouais. Non, c'était cool. Ouais. Tu nous as pris. Tu nous as pris tout notre roleplay et nous, on n'a pas pu jouer, quoi. Eh bah, oui, mais vous jouerez à la semaine prochaine. Mais voilà ce qui se passe quand vous monopolisez les introductions. C'est ma vengeance. Oh là là. Ah, ok, d'accord. Mic drop. Je quitte ce plateau. Et bien, sur ce. Et est-ce que Chloé sera là la semaine prochaine? Nous ne le savons pas. Et on vous dit en tout cas à très bientôt. N'oubliez pas. Alors n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas nos réseaux, n'oubliez pas tout ça, tout ça, tout ça. Mais vous le savez, voilà, ça nous aide toujours au référencement. Hein. Tous les commentaires et les pouces nous aident au référencement, même si YouTube dit non, c'est pas, ça marche pas comme ça. En fait, bon. Si, ouais. Si, ça marche. Comment est-ce qu'ils font YouTube? Non, ça marche pas comme ça. Tu vois, si tu les as au téléphone comme ça, ils disent non, en fait, ils sont tous alignés. C'est à ça qu'on reconnaît les gens qui travaillent chez YouTube d'ailleurs. Oui, je travaille chez YouTube. Ça va? Mais on va se faire striker, on va même pas comprendre pourquoi. Voilà. Merci, super. Bref. Bravo. Et bah, enfin, quoi qu'il en soit, on vous dit merci, on vous dit à la semaine prochaine et on sera de retour avec Trinity la semaine prochaine. Qui est toujours avec nous. Yeah! À très bientôt. ciao. We'll be right back.
générique. Je pense que les gens ont eu un gros plan sur tes narines. Ouais. Je suis un petit peu enrhumé. Qui sont sales. Ouais. Ah, mais au revoir. Au revoir. Oh là 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 là.